Le nouveau président de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud, a présenté à la presse la répartition des délégations, mais aussi les futures orientations concernant l'enseignement supérieur, ainsi que la partie économique avec la future gare TGV de Montduel. Mais le premier vote du conseil communautaire sera sur les indemnités de fonction et des élus communautaires. On a réduit de moitié les indemnités des élus et donc aujourd'hui on a baissé les indemnités du président et des vice-présidents pour rehausser celles des membres du bureau. Voilà, ça me paraît déjà correct. Et à savoir que on réduit de moitié les indemnités par rapport au passé. Comme le législateur le souhaitait, c'est donc fait, on prend la délibération dès ce conseil communautaire.